On vient pour le pied cassé de Lily. Bonjour, je me présente, je suis professeur Cassoulet, professionnel des os cassés. Allez vite, faut se dépêcher. Ça va aller. Vite, on se dépêche. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Bon allez, je vais aller me promener, il fait trop chaud chez moi. Bon allez, au revoir petit hamster. Ah, il fait trop chaud. Oh Lily Rose, arrête de parler. C'est bon, tu vas pas bouger toutes les 5 minutes. La dernière fois que t'es sorti dehors, t'es tombé. A few moments later. Ben again. Je suis bien tombée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon pied bouge pas, j'ai trop mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment je vais faire pour me déplacer? Bon, je vais rouler. Allez. Oh, ça va être long quand même si je fais ce rythme là. Bon, j'abandonne. J'ai plus qu'à attendre que quelqu'un me ramasse. Les 6 x 8, 48. C'est vrai, ça fait longtemps que Lily Rose est partie maintenant. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Je vais partir à sa recherche. Nippan, jou. Oh bah tiens, Esteban, il passe. Allez, viens vite, viens me ramasser. Non mais, Lily Rose, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es par terre en pleine rue? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais t'as plein de saleté sur toi, tu t'es roulé par terre ou quoi? Tu t'es pris pour un cochon? Oh merci d'être venu, j'ai trébuché, je me suis complètement cassé de pied. Heureusement que t'es venu hein. Bon allez, viens avec moi, on va direct à l'hôpital. Allez, oui, lève-toi, lève-toi. Je sais que t'as mal. C'est quoi ce pied vraiment? Bon allez, marche à cloche-pied jusqu'à la maison. Okay. Bon allez, rentre dans la chambre. Oui. C'est bon, non mais j'espère que tu fais pas ça pour te faire porter. Vas-y, reste là. T'es malade. De quoi t'es malade? Allez, il faut appeler. Il faut appeler l'hôpital. Ou il faut appeler Peppa Pink. Peppa Pink, viens. Mais il est pas là non plus. Bon allez, montre-moi ce pied. C'est ce pied-là? Oui. Mais c'était l'autre tout à l'heure. Attends. Ah mais ça marche pas aussi, moi je suis pas médecin. Peppa Pig, dépêche-moi, il faut appeler les pompiers. De quoi? Qu'est-ce qui se passe encore, Lily Rose? Je suis tombée dans la rue, j'en ai. T'as mal où? À la cheville? Bon allez, ça suffit là, allez rentre. Tu sais pas faire l'examen, il faut appeler les pompiers. Mais qu'est-ce que... Quand je fais ça, t'as mal? Oui. Oh là, et quand je fais ça comme ça? Oui. Et qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à rien de lui faire ça. Appelle les pompiers. Oui, ça a l'air de vraiment te faire mal. Hein. Je vais appeler les pompiers, parce oui, que là... Allez, vite. Alors, ici, vite. Allô, les pompiers? Oui. J'ai ma fille, là, qui s'est blessée au pied. Alors, venez tout de suite, hein. Vite, appelle-les. Dis-lui que c'est pour le pied. Urgence de la ville de Lille, bonjour. Allez, salut. Oui, il faut passer aux urgences, évidemment. Allez, à plus. Dis-lui que c'est pour le pied, mais il sait pas parler au téléphone. Bon, il faut aller aux urgences, Allez, vite, porte-moi. Oh, mon pied. Attends. Vite, mets tes pieds à terre, comme ça. Allez, attends. Vite, j'ai une idée, je vais chercher, regarde. Regarde ce que j'ai trouvé, vas-y. Oh, parfait, des becs. Ah, mon pied. Allez, vite. Tu veux que je t'aide? Ah, merci, papa. Allez, merci, doucement. Attention aux escaliers. Oui. Je vais quand même les suivre pour aller à l'hôpital, parce que sinon, ils vont être vraiment... J'arrive. Allez, avance. On est bientôt arrivé à la voiture. Vite. Allez, il y a plein de pigeons. Allez, vas-y, rentre tout doucement. Oui. Fais attention à ton pied. Allez, vite, faut se dépêcher. Allez, ça va aller, là. Je commence à avoir vraiment mal. Bon, je peux aller devant, c'est oui, bon, oui, je peux démarrer. Dépêche-toi. Allez, vite. Oh, punaise, il faut vraiment se dépêcher, là, parce que sinon, on va arriver trop tard et... Je crois que ma cheville, elle est en train de doubler de volume, en plus. Allez, vite, dépêche-toi. Oh là, ça gonfle bien, ça gonfle vite. Alors, on y va. T'es prête? T'as mis ta ceinture? Oui, je suis prête, j'ai mis ma ceinture. Mes béquilles sont là. Allez, vite. Bon, on se dépêche. Eh oh, m'oubliez pas comme ça, c'est bon, je viens avec vous, parce que sinon, ça va être la grosse catastrophe. Oh, mais c'est pas possible, il y a des bouchons, on va arriver. Allez, vite, dépêche-toi. Attends, non mais vite, vraiment là, il faut vite qu'on arrive. Attends, je tourne. Voilà, on est arrivé. Allez Lily, sors de la voiture. Je vais t'aider. Allez. Enfin. Ça va aller Lily? Allez, enlève ta ceinture. Bonjour. Vous venez pourquoi? Ah, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Monsieur Gobelet. Bon allez. Installez-vous à mon bureau. Oui, bonjour professeur, c'est moi que vous avez eu au téléphone, on vient pour le pied cassé de Lily. Assoyez-vous, mes enfants. Bonjour, je me présente, je suis professeur Cassoulet, professionnel des os cassés, voilà. Pourquoi venez-vous me voir? Bah, je viens ici parce que, en fait, je suis tombée et puis maintenant j'ai très mal quand je marche et que j'arrive pas à marcher et que je pense que c'est cassé parce que... Je vois, est-ce que quand vous marchez, vous avez mal? Oui, très Est-ce que quand vous marchez, vous avez beaucoup mal? Oui. Est-ce que quand vous marchez, vous avez pas mal?
Non. C'était un piège. Mmh. Ah, pour une fracture du pied. C'est ma spécialité, j'adore. Alors en fait, je vais tout vous expliquer. Vous avez une brisure au niveau du carchizoïde trapézoïdal de l'amygdale. En fait, c'est comme les mouches à casquette, c'est pareil, voilà. Voilà, vous connaissez parfaitement. En tout cas, vous avez une très belle chevelure, monsieur. Bon bah, je pense qu'on va devoir passer à l'opération. Ah, je suis fan de ça, les opérations. Allez, mettez-vous sur la table, nous allons vous ausculter plus en détail. Et comme dit la chanson, bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom, allez, installez-vous. Oh non, je vais pas me faire opérer, je vais pas me faire opérer, je vais avoir très mal. Oh mais t'inquiète pas Lily, t'inquiète pas, on y va, allez. Alors, je vais procéder à l'opération. Installe-toi confortablement. Non, ça va aller, ça va aller. Mais revenez ici, l'opération n'a même pas commencé. Je m'en doutais que j'allais me faire avoir. Personne ne m'aime ici. Même ma chevelure ne m'aime plus. Ah. Enfin, tranquille, ils sont partis. Yes. Bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je sais que Lyros fait semblant d'avoir mal. Ah, comme ça, elle va pas aller à l'école le 1er septembre. Mais bon, eh ben, elle va pas m'avoir. Ah, et elle va y aller quand même. Et moi, je vais... Oh, maman! Non, Lyros, ne t'enfuis pas, reste ici pour l'opération. A few moments later. Bon, Lyros, fallait pas t'enfuir comme ça de l'hôpital. Mais j'ai un truc à dire. Je suis sûre que le médecin, c'était Esteban. J'en suis sûre, bah, Esteban. Crois, mais tu j'ai un... Oui, mais j'ai un truc à dire. En fait, depuis le départ, je te dis que j'ai mal et que je suis tombée. Oui, même, bah, j'ai ça... menti à Esteban, mais en vrai, j'ai rien du tout. Comment ça, t'as menti? Bah oui, j'ai menti. T'as pas mal alors? Non, mais c'est parce que je voulais pas aller à la rentrée de l'école. Oh non, t'exagères, Lily Rose, mais ça oui, se fait pas ça. C'est bon, on c'est joue pas avec la santé. Oh non. En plus, t'as vu, il allait m'opérer avec une paire de ciseaux. N'importe quoi. Et c'est pour ça que tu t'es enfui, t'as reconnu Esteban. Bah oui, ça se voit. Il est pas chauve en vrai, t'as vu. On dirait il y a des cheveux par-dessus sa coiffure. Et bah voilà, tu t'es fait avoir. T'as cru que j'avais pas compris dans la rue là quand je t'ai trouvé par terre. N'importe quoi, t'es prête à tout pour pas retourner à l'école. Mais je te dis, c'est pas terminé. Et à chaque fois que t'essaieras de prévoir un plan, on va t'avoir. Et hop, Peppa Pink était dans le coup aussi. Il était au courant depuis le début, t'inquiète pas. Eh oui, Lily Rose, Esteban a raison. Moi aussi, j'étais dans le coup. Tu vas pas nous avoir comme l'année dernière. Donc voilà, attention, clique sur une vidéo qui apparaît là. Oui. Et abonne-toi, active la cloche, mets un like. Non. Allez, ciao, amigo là. Et je te vois derrière ton ordi là. Tu...